Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire une vidéo dégustation. Donc c'est la première partie parce qu'en fait je vais faire une deuxième partie parce qu'en fait il y avait plusieurs choses qui étaient en rupture de stock et du coup ça va revenir au mois de juillet. Donc du coup c'est pour ça que je vais faire une deuxième partie et du coup j'ai commandé sur My American Market. Je vais vous mettre de toute façon le site en barre d'infos et du coup on va faire la dégustation avec mon copain. Salut. Et du coup, bah on va commencer, hein. Je vais ouvrir le truc. Alors, je crois que j'ai tout en fait. Attends, tu veux ouvrir? Vas-y. Donc on l'a pas ouvert, on l'a vraiment ouvert pour la dégustation. Waouh, ça a l'air fou. Hein. Ouais, donc vas-y, montre. Il y a une petite odeur de plastique dedans. Ouais. Alors, voilà le carton. Donc j'espère qu'on verra tout dans la caméra. Donc on commence... Je crois que j'ai commandé 14 trucs, je crois, ouais. Il me semble. Un truc ouais, comme je ça. Sais pas. Parce que j'ai rajouté des trucs, donc du coup... On commence par le salé. Ouais, on va commencer par le salé. Donc, bah vas-y, choisis. Je sais pas, ça c'est salé ça. Ouais. Cheetos Crunchy Flaming Hot. Donc voilà. Ça je crois que c'est au pignon. Le petit emballage à l'américaine. Donc c'est parti alors. Ça c'est au pignon, je crois. Je sais pas, on verra. Ça sent quoi? J'aime trop, regarde. Ouais, bah après ça sent un peu les... Tiens, vas-y. Les curly, là. Ça pique? Oh. Oh, ça va. Ouais, ça va. Oh, mais t'en manges plusieurs à la suite. Ouais, par contre, ouais, voilà. Ouais, bah, mais déjà, ouais, c'est assez relevé, en fait. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est... Waouh! Ah ouais! Non, j'avoue, ils ont pas trop blagué sur ça. Mm. Non, il y a. Ouais, je pense que. Moi, je mets 7 sur 10. Moi, on va mettre une moi, j'aime bien, moi. Moi aussi, j'aime bien. Mais après, plus t'en mets dans la bouche. Ah, ça arrache. Ouais, ça. Ah ouais, ça bah, arrache. Flaming Hot, c'est pas grave. Surtout que moi. Oh non! Alors, déçu. Ah ouais! C'est le. Alors, c'est des sauce and snack. Non, ça je l'ai pas commandé ça. Feel Alive. Ah ouais? Bah, ça je l'ai pas commandé. Hein. T'es sûr? T'as peut-être pas fait ah, attention. Ah ouais, j'ai... on va quand même goûter. Hein, écoute. Oh ouais. Bah ouais. Ouais, bon, bah, on verra si on meurt à la fin. Bon. Vas-y, tiens, toi commence. Ils ont gardé tout. C'est des quoi? En fait, t'as pris plein de trucs piquants. En fait, ça c'est potatoes chips. Parce qu'en fait, elle aime bien les trucs piquants, mais moi ouais. Je suis pas trop piquant. Ouais, mais là c'est. Attention parce que le truc il est. C'est feel alive. Donc, je crois que ça doit être la phrase. Want to feel alive. Oh, dis ça pique. Et ça, les gars, ça pique. Ça pique. Enfin, je vous montre à l'endroit, mais. Les gars et les filles. Il arrache. Ah, ouais. Le truc, il arrache. Ah ouais. Je crois qu'on va prendre un truc à boire alors. On attend. Il y a... Oh attends, on a qu'à prendre une canette. Waouh. Ah ouais. Non. Non, on va prendre une canette ouais, Fanta. Vas-y. Donc là, c'est Fanta à la fraise. Donc, j'ai jamais goûté. Ça pique, hein. Donc là, c'est le Fanta. Donc là, c'est le Fanta à la fraise. Ouais. On va boire un goût parce que c'est bon, ça pique. Je veux juste que tu l'ouvres et me faire du bien en fait. Ouais. On a jamais goûté. Ah ouais, c'est rouge. Franchement, c'est bon. Après, est-ce qu'on sent autant la fraise que ça? Après, c'est vrai que j'ai eu piquant. Vas-y, reprends le truc, une gorgée, voir. Ouais, c'est ça la sent fraise. Bien. Par contre, c'est super beau. Regarde, c'est super beau parce qu'en fait, dedans, il y a des petits granulés. Ouais. Alors, c'est un peu. Ouais. Waouh, waouh. Ça monte. Hein. Mais c'est bon, mais avec le piquant, c'est vrai que. Ouais. On sent plus le piquant. Ouais, on sent plus le piquant qu'autre chose. Mais voilà. Donc là. Donc, il y a quoi? Ça, c'est quoi? C'est un cheddar. Cheddar, ouais, vas-y. Donc, on va goûter au cheddar. C'est ça. En fait, moi, je m'attendais à un plus gros ça, paquet que ça. C'est les Snyder's. Snyder's of Hanover. Ouais, cheddar la marque, cheese. C'est ça. Donc, on va goûter. Mais ouais, je m'attendais à un gros paquet. Ouais. Entre l'image et la réalité, ah, c'est souvent deux choses bien différentes.
Ça, apparemment, ça, c'est une tuerie. Ça sent quoi? Ça sent pas le cheddar, ça sent le piquant. Ouais. Mais je crois que le piquant, il a dû remonter jusqu'à mon nez. Mais ça, apparemment, c'est bon. C'est bon? Enfin, j'ai vu ça dans les vidéos, apparemment, c'est bon. Je sens pas le cheddar. Je sens le cheddar. Mais après le piquant il me... Après le cheddar chez eux apparemment c'est vraiment tu vois le minimum quoi. Non après franchement bah, ça se mange, c'est bon hein. D'ailleurs pour le Fanta en fait j'ai oublié, je vais mettre 8 sur 10. 8 sur 10 pour le Fanta. Ouais pareil, ouais, 8 sur 10. Après c'est un Fanta classique ça, quoi. Ça je mettrais 7 sur 10 parce que bon c'est vrai que je pense que nous vu qu'on est français, on a l'habitude, on aime bien le fromage quand on le sent. On aime bien le bouche. Gras. Ouais, l'odeur du fromage en bouche. Et là, on le sent pas forcément, mais ouais. Ça se mange. C'est, bah après, c'est bon. Cheddar cheese. Tu vois, c'est pas du cheddar. Bah, ah ouais, cheese, le cheese, c'est fromage. Le fromage, ouais, ouais, le fromage américain. Et là, dedans, tu sens quand même le fromage en fait. Ouais, oui. Moi, je mets 9 sur 10. Ouais, moi, je sais pas, moi, je resterai sur 7. Moi, je mets 9. Peut-être que celui-là, on le sentira plus. Vas-y, mon. Le cheddar cheese. Alors, là, c'est Combos Stuffed Snakes. Bon, désolé pour mon français, hein. C'est très taco, ça. Non, pour ton anglais. Oui, excusez-moi. Oh, il dit ça sent froid. Là, ça sent quelque chose. Tiens, le bébé. À la tienne. Ah ouais, là, c'est bon. C'est bizarre. Ça, c'est trop bon. On dirait pas un peu de la... On dirait une forme de bretzel. Bah, c'est justement, c'est ça. Ah, d'accord. C'est bretzel. Des bretzel au cheddar, en fait. Mais on dirait un bretzel... attends. Au beurre de cacahuète qu'on nous vend... tu vois, le beurre de cacahuète qu'on vend au supermarché. Mais ça, c'est bon, hein. C'est mignon. Ou le beurre de cacahuète qu'il y a dans les trucs McDo, les McFlurry. J'ai pas pensé à ça. Non. Moi je sens vraiment le fromage moi là par contre. Ouais je sais pas, c'est peut-être, c'est peut-être le piment qui fait ça. En fait on aurait pas dû peut-être commencer mais par le... Mais franchement piment. Ouais le piment c'est... Mais ils sont bons hein, franchement super délicieux. Ouais super, moi je mets 10, j'aime bien. Je pourrais en remanger en fait. 10, on peut jamais mettre des 10 en fait. Tu le sais. Bah. 9. Moi non, moi je mets 10, je reste au 10. Je t'inquiète. Je remets dedans. Ouais, je t'inquiète, t'inquiète. Tiens, les goldfish. Bah, goldfish. Je voulais prendre en grand paquet, mais par contre, en fait, c'était en rupture de stock. Mais j'espère que ce sera pas, parce que, en fait, on n'a pas de retour caméra. Ça fait que moi, je me pose un peu cette question. Est-ce que vous pourrez voir les logos des bah trucs oui, et tout? Je montre bien comme ça. Donc, Ouais, mais par moments, je sais que ça peut sonner flou. Enfin, okay. Alors, apparemment, on sent pas trop le cheddar. Enfin, apparemment, c'est pareil que les tucs, vous savez, les tucs, les apéros là, les trucs. Donc, bon, on va voir. Tiens. Ça sent quoi? Bah, apparemment, ça sent. Bah, ça sent vraiment. Ça sent vraiment. Attends. Ça sent les tucs. Ah, c'est marrant, ça sent les épices. Ça sent. Ouais, c'est les tucs. C'est des tucs. Non, pour moi. Non, j'en ai mangé hier des tucs. Moi je sens ouais, les tucs. Ouais, mais ça a pas la même consistance que les tucs. Hein. Mais ça sent pas les tucs. Ouais, c'est un peu plus. C'est bizarre parce qu'on dirait, quand on ouais. sent comme ça, ça sent, vous savez, les épices indiennes un peu. Mais vraiment très 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 très, très léger. Hein. Après, peut-être que je raconte n'importe quoi. Non, ça a pas les goûts des épices indiennes. Mais pour moi, c'est pareil que les tucs. Le problème, c'est que c'est en anglais. Donc... Bah non, t'as du français. Ah ouais. Non, tout est en anglais. Bah logique, quoi, c'est américain. Ouais, mais je pensais qu'il y avait une traduction. Ouais, moi aussi, mais non. Bah souvent dans les trucs, il y a une traduction. Tiens, il reste ça, je crois, en salé. Alors, ça, par contre, c'est. Donc, c'est Sanders. La même marque que tout à l'heure. Et ça, c'est à quoi? Et ça, c'est. Alors, il y a oignon, moutarde et miel. Donc, moi, j'aime pas le miel, donc j'espère que c'est pas trop, trop. Question de vérité, moi, j'aime trop le miel. Ouais, lui, il aime bien le miel, mais moi. J'espère qu'il ne sent pas trop quoi. Ah oui, pour ça tu mets quelle note? En fait, pour ça tu mets quelle note? En fait, à chaque fois.
Moi, c'est mangeable. C'est mangeable. C'est des tucs. En fait, pour moi, c'est des tucs, en fait. Non, pour moi, c'est pas des tucs. Si. Donc, moi, je mets 5 sur 10. 100. Ouais, on sent la moutarde. Ouais, on sent beaucoup plus la moutarde. Tu m'attends? Ouais. Tiens, mon bel goût. Ouais. Ouais, on sent... j'espère qu'on sent pas trop le miel, quoi. Question de vérité. Bah, non. Non. Alors, la on moutarde. On sent quand même un peu le miel. Hein. Bah, moi qui suis un fan de miel, j'ai l'impression de plus sentir la moutarde que le miel. Hein. Après, oui, après, oui, la moutarde. Peut-être, est-ce que ça dépend des morceaux, tu vois? Ouais. C'est vrai que c'est spécial. C'est bizarre parce que, en fait, ouais, on voit que ça a été haché, quoi. C'est vraiment. Regardez. On dirait que c'était un gros bloc qu'ils ont cassé. En fait, on croit que c'est un peu des croûtons de pain. Ouais, ouais. Un peu, tu vois. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais c'est comme ça, en fait. Donc, t'aimes bien, toi? Ah, ouais. Moi, tu vois, je préfère plus les autres. Non, moi, j'aime bien ceux-là. Ouais, après, toi, t'aimes bien le... Mais il n'y a pas le goût du miel, c'est la moutarde qu'on sent. Ouais. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'en moutarde, elle pique pas. Alors qu'en France, elle pique. Ouais. Mais je pense que c'est sucré. Ouais, bah en fait, ça, c'est sucré-salé, hein, donc il y a du miel dedans. D'accord. Le miel, il a peut-être, tu vois, pris un peu quand même sur la moutarde. D'accord, ouais, ouais, c'est peut-être... Ouais, c'est vrai, ouais, le miel, ça adoucit la moutarde. Ouais, donc, tu mets quelle note, toi? Ah, franchement, ça... 8. Ouais, 8 ou 9, ouais. C'est, moi, c'est... allez, j'ai quand même bien aimé, c'est pas un truc que je déteste non plus, donc je vais mettre, allez, 7. Parce que je pourrais en manger, en fait, donc... Ah ouais, franchement, déjà, ouais. Moi, je trouve en salé, ouais, franchement, ouais, c'est, tu penses, ouais. C'est super bon, là, pour le moment, ouais. Ce qu'on a pris. Donc, là, on va continuer sur quoi? Donc, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est salé, ça. C'est les mêmes. En fait, ouais. Ah, ils en ont mis 2. Ils m'en ont mis 2 en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça, j'allais dire. En fait, je crois que là, c'est fini en salé, non? On va regarder ça. Ah non, il y a le crampon. C'est quoi ce petit truc? Ah, c'est ça le truc? Thermique? Ça, c'est un truc thermique. Ah ça, ouais, ça. D'accord. Il faut les garder au pire. Oh my shit, mon gars. Ouais, t'as vu, regarde ça. Ouais, ça. Bon, bah, faudrait les garder. Je sais pas si ça peut être utilisable. Enfin, bref, on s'en fout. De toute façon, ça, je vais pas les garder. Donc là, les Oreos. Je vais pas les garder. Ouais, donc Oreos. Vas-y, tu veux quoi, toi? Bah, on va peut-être prendre un coup de Fanta, non? Pour faire passer un peu le salé, tu vois, et après... Ouais, vas-y, ouais. Vas-y. On va dire où? Parce que toi, t'es plus fort. Donc ça, c'est Fanta Pêche. Vas-y. Attends, on va montrer. Il faut toujours montrer. Excusez-moi. Fanta Pêche, comme ça. Moi, j'ai jamais goûté. Oh là. C'est bon, hein? C'est bon. Bonne odeur de pêche. T'aimes bien? Ouais. Ouais, ça a vraiment l'odeur. On sent vraiment cette odeur de pêche. Ça sent pas vraiment cette odeur de pêche genre chimique. En fait, ça sent un peu le fruit. Vraiment le ouais, fruit. Ouais, ça sent le fruit que tu t'ouvres et que tu croques. Ouais. Par logique, quoi. Oui. Ah non, franchement, j'aime bien, c'est un bon truc. Tu mets combien, toi? Moi, je mets 8. 7,5 parce que, en fait, il pourrait être. Moi, je trouve que par contre, le goût pourrait être beaucoup plus présent. Ouais. Tu vois, il est pas assez présent, tu vois. Je sais pas si toi, ça te fait la même chose. Non, mais ouais. Donc là, on va goûter. Alors, ça, moi, j'ai déjà goûté les normaux, quoi. Mais là, ça, c'est Peanut and Bretzel. Les Hershey's, comme ça. Hershey's. Donc on va goûter, hein. Par contre, peanut, c'est beurre de cacahuète. Enfin, c'est des cacahuètes. Et bretzel, c'est ça, tu vois. Ouais. Alors. Ah oui. Ça sent bon. Ouais. Moi, je me demande par moment pourquoi ils nous vendent pas ça dans les supermarchés. Bah, t'as des trucs, en fait. D'accord, t'aurais pu m'attendre. Ouais, tu sens vraiment... Le beurre de cacahuète. Bah non. C'est des cacahuètes ah ouais, mélangées peanut, avec... Bah le peanut. Ouais. Plus ouais, le peanut sens... que le bretzel. Ouais, c'est vrai. Bah il prend le dessus, tu vois, ouais, c'est un goût fort. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Moi j'aime bien. Retest. C'est pas mal, hein. Franchement, ça c'est pas mal.
Mais Hershey's Gold, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Moi, je mets 9. Ouais, 9 aussi. En plus, c'est pas écœurant. Parce qu'il y a des bonbons... par exemple, bah, c'est sucré quand même. Ouais, voilà. Mais c'est pas un truc. Mais il y a des gâteaux américains qui sont comment dire très très écœurants. Alors que ça, tu pourras en manger en fait. Donc moi, j'avais jamais goûté en fait. Ça, c'est des quoi? C'est des Hershey's Cookie and Cream Crunch. Donc, vas-y. Ouais, j'ai jamais goûté. Tiens, ouh, ça c'est dur en fait. Fais péter les crunch. Wow. Entamé, j'ai là. Goûté, mais. En fait, je pense pas que ce soit possible. Ah ouais, faut le déchirer par là. Ah ouais. Oh, ouais, mais là c'est galère. Ouais, en plus, j'ai les mains grasses. T'as pas. Tiens, où le petit couteau? Ah, c'est moi qui l'ai. Ouais. C'est le genre de couteau qu'on donne aux petits. En fait, je vais donner pour éviter qu'elle se blesse. Ouais. Parce qu'elle a tendance à me dire qu'elle est pas en sucre, mais moi je la trouve en marshmallow. Ah, c'est marrant. Ouais. Vas-y, je t'attends. Donc. À la tienne. Vas-y. Mmh. Ah, les chromes. Mmh. En fait, c'est la même chose, mais en forme de crunch. C'est la même chose que, vous savez, les tablettes, tout ça. Ah, hein. C'est super bon. Mais en crunch. Mmh. De toute façon, la marque Hershey's, elle est forte. Ouais, mais je pense que s'ils vendaient ça en France, on aurait tous des problèmes de diabète. Mais les Hershey's, ça sent bon en France. Quoi? Les Hershey's, là. Ça se vend, ça, en France? Bah ouais. Oui. Dans les supermarchés? Mm-hmm. Ah, à la foire fouille. J'ai été. Ouais, il faut aller à la foire fouille. Ouais, faut voilà. Aller à la foire fouille. C'est pas un truc que tu peux trouver partout, quoi. Ouais. Mais franchement, non, ça, j'adore. Oh, je prends un fond. T'as bien? Ouais, vas-y. Fais péter. La connectivité. Mmh. Ensuite, tu veux quoi? On est en 5G, nous. Il nous reste ça, ça, ça et ça. On commence ça? Ouais, vas-y, les cookies. Alors ça. Les cookies are raisins. Alors ça, les amis, je voulais trop, trop tester. Donc ça, c'est des cookies. Donc, comme il a dit, aux raisins. Donc franchement, j'avais hâte de tester. Donc vas-y, ouvre. Ça, c'est pas en note. Oh là là. Ça sent le cookie. Oh. 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 Alors regardez, avec un gros bout ici, je sais pas si vous verrez bien. Ouais, c'est des bouts en fait de résine ouais. Dedans. Tiens, vas-y, le bout. Oh là là. Attends. Tiens. Voilà. Mmh. En plus, ils sont mous, ils sont pas durs. Oh, une tuerie. Tu sens le bout en fait de... Mmh. Et c'est pas écœurant du tout. Ouais. C'est trop bon. Hein. Ah ouais, j'aime trop. J'avais peur de pas sentir en fait les bouts de résine en fait à l'intérieur. Ah, on est con. Ah ouais, j'avoue. Il y avait une... Ah bah ouais. C'est vrai que ça, tu peux ça devant Netflix avec ça. Ouais. Hein. La soirée, elle est refaite direct. Ouais. Non, franchement, moi, je mets... Waouh, 9. 9 et demi, c'est trop bon. Pop. On continue avec Pop Tarts. Bon, ah oui, attends. Bon. Donc, alors ça... Alors, normalement, il faut les mettre où? Alors, attends. Ah, c'est ça qu'on doit mettre au... Ouais. Donc, normalement, soit au grille-pain. Ou soit au micro-ondes. Mais bon, là, on va quand même goûter cru. Au pire, ouais, vas-y, on goûte. On va quand même goûter cru et on va vous dire en barre d'infos ce qu'on en pense, soit dans le grille-pain ou soit dans le micro-ondes. Donc voilà. Ouais, on va goûter cru. Ouais. Donc, hop. Fais-moi juste un petit goût. Donc, hein. Alors, le goût, c'est chocolat. Ouais, c'est chocolat. Ouais, chocolat. Ouais, on va en prendre un petit goût. Alors, est-ce que tu vas le sentir? Oui, tu vas le sentir. Donc, attends. Ouais. Non, moi, je galère un peu. Ah. Oh là là. Vas-y, la tienne. Ouais, c'est vrai. Ah, non, moi, j'ai pas eu beaucoup de chocolat. Vas-y, prends.
Je pense, alors c'est pas mauvais cru, mais je pense qu'au grille-pain ou micron, ça a l'air d'être. C'est vrai qu'on sent pas grand-chose. Bah moi j'aime bien parce qu'on sent quand même voilà le ouais, chocolat. Ouais, ça sent, mais c'est pas plus que ça. Mais après, on verra ce que ça donne ouais, voilà. au grille-pain et au micron. Voilà. On fera le test pour nous. Voilà. Donc là on continue donc toujours sur les pop tarts. Donc là par contre j'ai pris cookie dough. Donc je sais pas comment ça se dit, dough. On s'en fiche, on est franco. C'est des morceaux en fait de cookies à l'intérieur cru normalement, c'est ça. Donc là pareil, on vous dira ce qu'on en pense au grille-pain ou au micron, mais là on va goûter cru. Bah cru. Et là, du coup, voilà. Donc ça apparemment ils mangent ça à la cuisse, c'est par non dedans. C'est des trucs glacés. Non, on vient de fort microwave. Ah ouais. C'est micro. Non, c'est marrant. Ouais. En fait ça non, tu peux mettre au frigo. Ok. Tu vois. Hein, ouais, pour que ce soit gelé. Voilà. Pas mal. Ouais. Peut-être que c'est meilleur que les Kinder Pinguin. Bref. Non, ça a conservé au frigo. Ouais, je sais. Ah, ouais, d'accord, tu peux pas consommer froid. Ouais, voilà. Ah, d'accord. Mais en fait, c'est à peu près la même chose. Non, là, sinon, c'est cookie dough. C'est pas, tu vois, c'est pas pareil. Okay. Hein. Ouais, en fait, c'est comme des bar Twix. Je sais pas si c'est pareil en fait. Tu vois. Ah, ouais, donc, c'est là, c'est comme c'est... ça. Ouais. J'avoue, c'est spécial. Donc. Tu vois, là, en fait, cru, c'est pas pareil que. Non, attends. Que cuit. Attends, t'as peut-être pas eu grand chose. Ouais. Fais péter tout ça. Voilà, donc attends, tu m'attends, bien sûr. Hop, allons-y. Go. Non. Ah, je veux un morceau de cookie. Mais encore une fois, on goûte cru en fait. Donc. C'est pas mal cru, mais je pense que, ouais, comme je vous ai dit, grille-pain et micron, c'est meilleur, quoi. Tiens, moi, quand j'étais petit, il y avait une série qui passait à la télé. Et je sais plus comment ça s'appelle, c'était avec des Noirs dans le Bronx. Et il y en a, ils doivent connaître, ceux qui sont nés dans les années 90. Mais en fait... Aux États-Unis, ils avaient des maxi cookies de malade. Et je trouvais que quand on voyait ça à la télé, ça donnait trop envie de vouloir croquer dedans et tout. Ouais. C'était des cookies ouais, XXL. C'était ouf. Et genre le cookie, je crois, il durait. T'en avais au moins pour 2 semaines, quoi, à tout casser. Ouais. Donc là, on va goûter des Nerz. Donc nous, on a déjà goûté les Nerz. C'est fruit de la passion. Enfin, non. C'est grenade. Non, c'est pomme. Et limonade. Ouais, limonade, ouais. Que là, en fait, là, on goûte. Alors, c'est goût fraise et raisin. Donc, hop, c'est parti. Hop. J'ai plein de bordel à côté de moi. Hop. Comment ça se fait qu'il veut pas? En fait, c'est bizarre un peu leur emballage. Ouais, c'est mal fait. Après, les ricains, ils sont un peu. Leur emballage il est beau, mais il n'y a pas de logique à l'ouvrir en fait. Pardon. On s'en fout. Mmh. C'est pas les mêmes qu'en France en fait. Mais donc, c'est bien, beaucoup plus. Ouais, mais là, c'est galère là. Le truc en fait il était collé. Voilà. Mmh. Donc les violets forcément c'est raisin et les roses c'est fraises. Un peu plus de rose quand même. Moi c'est bon. C'est bon. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je sais pas si vous avez. Ouh, il y en a un qui est tombé. Donc il est comme ça. Moi je goûte un peu par. Ouais, couleur. Sorte. T'as goûté quoi là? Le rose. Ah, moi le violet. Ah, c'est bon. Ouais. Ah, c'est bon. Par contre, je trouve qu'ils sont beaucoup plus forts en goût que les autres. Ouais, mais après forcément c'est pas le même goût, tu ouais, vois. Ouais, ça. Mais il est pas mal. Tu mets combien? Ouais, je mets 7. Ouais, je mets Moi je préfère les petits bonbons comme ça que les Haribo qu'on nous vend là. Ouais. Pas que Haribo. Bon, c'est après les Américains et les Français c'est pas pareil, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois pourquoi je trouve leurs bonbons, ils sont vachement. Ils sont pas mal. Ils sont plus dans le gras, dans le sucré. Ouais, c'est ça, ils aiment trop. Donc là, pour le dernier produit,
Ah non, ça c'est quoi? C'est quoi non? T'as à manger? Ouais, je pense. Bah vas-y, viens, on va l'ouvrir. Ah oui, en fait, c'est ça, c'était gratuit en fait. Ils m'ont envoyé, ouais. Ils m'ont envoyé. Ça, ça a l'air bizarre par contre. C'est une créature Harry Potter en forme de bonbon. C'est le chien. C'est le chien de. Du gros là. De qui? Comment il s'appelle? Vous voyez ou pas? Enfin, je sais, vous voyez ou pas. C'est le chien de. Tu sais celui-là avec la grosse beubare là? Ah ouais. Ah ouh. Ça? C'est pas un truc à base d'alcool ça? Non, non. Non, mais c'est un truc vachement. Attends. Ah, l'enlève pas trop. On va juste prendre des pâtes. C'est bon? Ouais, j'aime bien. En fait, ça me rappelle. C'est comme nos bonbons à nous, ça. Mais beaucoup plus mou en texture. Et moi, un je goût ça bizarre. Un petit peu plus relevé. Moi, je trouve pas ça bizarre parce que ça. C'est le genre de truc que je mangeais quand j'étais petit. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Les bonbons. Bah, c'est. Les schtroumpfs. Ouais. Par exemple, les schtroumpfs. Non. Mais là, il est beaucoup plus mou et un petit peu plus de goût, je trouve. Moi je trouve que c'est bizarre. Enfin, moi je mets 4. 4 ? Ah, moi je mets 6. Ouais, 6. Parce que je sais pas, je trouve ça un peu bizarre en fait. Le goût, j'aime pas. Donc, du coup, ça c'est le dernier produit. Le Reese's Piece. Voilà, comme ça. Donc on a déjà goûté hein, les Reese's normales. Ouais, les Reese's normales. Par contre, toi t'as pas goûté les Reese's chocolat blanc. Donc je pense que pour la partie 2 qui va arriver peut-être. Fin de semaine prochaine, peut-être, on verra. Donc là, c'est en pièces, donc je pense que c'est sous forme de M&M's un peu. Ouais. Donc, open, donc là. Ouais, la bise. C'est vraiment dur, hein. Donc, hop. Ah, ouais, d'accord. Ouais, c'est sous forme d'M&M's, j'ai dit. Je vous ai pas montré, mais c'est hop, comme ça, ouais, voilà. Et c'est sous forme comme ça. Allez, donc, on à la tienne. On aime bien. Ouais, on sent bien les résidents, moi j'aime bien. Ouais, t'en prends plusieurs à la suite, c'est vraiment le goût des résidents. C'est les cups là. Vas-y, remets-moi en plusieurs un petit peu. Moi je sens bien les résidus. Individuellement comme ça, ça me fait penser à du Smarties. Non. Non, les Smarties c'est pas du tout. Mais moi j'aime bien moi. On sent bien là. À force d'en prendre. Ouais, faut vraiment en prendre plusieurs fois. Ouais. La texture elle est beaucoup plus molle qu'un Smarties par exemple. Mais c'est vrai que quand on prend un par un, pour moi c'est la même chose qu'un Smarties, mais par contre quand on en prend plusieurs, c'est vraiment le goût du Reese's. Ouais. Moi j'aime bien. Moi je mets 9,5. Pas à ce point-là, je lui mettrais 7. C'est pas mal. Ouais. Après c'est pas fou. Tu vois, je préférerais plus manger un Reese's que ça. Bah. Après ça, par exemple, si tu pars quelque part, c'est beaucoup mieux. Ouais. Parce qu'un Reese's, ce qui est chiant, c'est que c'est un ça chocolat qui fond. Ouais. Ouais. Ça, tu peux l'emporter, c'est un truc, c'est une pocket au final. Mais moi, j'adore les Reese's de base, donc moi, franchement, 9,5, c'est tout graille. C'est très très bien. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, voilà, c'est terminé pour la première partie. Du coup, je vais refaire une partie 2, normalement, fin de semaine prochaine, je vous redirai ça. Donc, du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on vous fait de gros bisous. Bye. Tchuss. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg.